Rebonjour. Dans cette petite vidéo, on va regarder comment faire un circuit simple. Donc, vous présenter un peu la plateforme là, rapidement, puis quelques astuces pour utiliser plus facilement justement là, Tinkercad Circuit. Donc, première des choses, au niveau des composantes, quand vous rentrez dedans, normalement, c'est de base que vous allez retrouver, mais je vous suggère de le mettre dans tout. Donc, vous allez voir, vous avez une grande quantité, sont divisées par section, donc général, les entrées, les sorties. Ensuite, disons, on va avoir quelques types d'alimentation qui vont être disponibles ici. Il y en a d'autres qui sont donc une source à tension variable qu'on va pouvoir ajuster ou encore un multimètre qu'on pourrait venir chercher. Donc, moi, pour ce circuit-là, ce que je vais faire rapidement, je vais venir chercher une pile. On se rappelle, quand vous avez fait votre découverte, là, vous avez vu que souvent, quand on sélectionne un élément, il va avoir des composantes, des éléments qu'on peut changer, donc des paramètres. Donc, moi, je vais prendre quatre piles, des AA. Donc, commutateur intégré, ce que je veux, un bouton on-off ou pas là, de disponible. Donc, ça, c'est à vous de regarder. Par la suite, je vais aller chercher une DEL. Donc, une DEL qui est ici. On va venir changer sa couleur. On va venir la mettre orange. Et finalement, je vais venir chercher une résistance. La résistance, je vais venir changer son unité de mesure. Je vais mettre ça à 220. Vous pourrez jouer avec les paramètres. Probablement, vous avez, dans votre découverte, vous avez vu que quand on sélectionne l'élément puis on vient sur l'icône qui est ici, on est capable de faire pivoter notre composante. Ou encore, vous pouvez le faire également lorsque vous visez sur la lettre R sur votre clavier. Donc, il y a des raccourcis qui existent. Une fois que vous avez placé vos composantes, on va venir tout simplement sur une des bandes, puis je vais venir placer mes composantes. Donc, relier, pardon, mes composantes. Lorsqu'on a un fil, on peut venir changer sa couleur. Donc, on va marquer, supposons, noir. Si on double-clique, parce que là, le circuit, on va voir, il est pas beau, si on veut. Si on veut l'améliorer un petit peu, il est possible de venir créer des points, donc des nœuds. Donc, en double-cliquant sur un fil, et ce nœud-là, on peut le déplacer. Et là, ben, si vous voulez quelque chose de beau, vous allez voir qu'il y a des lignes, quand c'est horizontal et vertical, vous allez avoir des lignes qui vont apparaître. Donc, celui-ci. Et finalement, dernière composante. Je vous parle pour le dernier fil, là. Certaines composantes ont ce qu'on appelle une polarité. Donc, une DEL, ça a une polarité, ce qui veut dire qu'il faut absolument que la bande négative soit reliée à la bande négative de la source, puis la bande positive soit reliée à la bande positive. Donc, ici, l'anode, vous avez vu des petites bulles qui apparaissent lorsqu'on va dessus. Quand ça a une polarité, ben, c'est important de bien relier correctement. C'est en ça, quand vous allez démarrer la simulation, ce qu'on va faire tout à l'heure, ben, la lumière n'allumera pas, puis on va se poser pourquoi la lumière n'allume pas. Ben, c'est parce que vous avez mal relié, tout simplement. C'est pas parce que le simulateur est brisé. C'est que vous avez fait une erreur de conception. Donc, puis il y en a d'autres. La diode a une polarité, même chose pour le condensateur. Donc, on va tout simplement prendre la note positive, puis la relier. Je vais venir également venir changer la couleur de ce fil-là. Et je vais venir rendre ça un peu plus beau. Donc, double-cliquer. Et venir le placer. Ce que j'aurais pu faire, si je veux supprimer, hein, je fais rien que sélectionner une composante. Je vais venir choisir le fil, je le supprime. Puis, au lieu de le faire de la façon dont je viens de le faire, j'aurais pu créer mes nœuds au fur et à mesure. À chaque clic, il y a un nœud qui se forme. Puis, à ce moment-là, je vais venir le placer et choisir la couleur rouge. Une fois que notre circuit est fait, on peut venir démarrer la simulation. Donc, on voit présentement la lumière qui allume. Si jamais la résistance n'était pas bonne, trop élevée, la lumière va être moins intense. Si jamais pas assez élevée, ben, la lumière peut exploser. Il va y avoir des petites bulles parfois qui vont apparaître. Donc, c'est intéressant là, de voir ces éléments-là. Au niveau, c'est sur les sources de courant, je vous les ai présentées. Le prochain vidéo, je vous présente un peu comment partager justement là, le travail. Il y a trois ou quatre façons de partager, trois façons de partager, puis il faut choisir en fonction de ce qu'on veut obtenir la bonne façon. Donc, bonne découverte.